Madame la syndic, chères Veuvezanes, chères Veuvezons, mesdames, messieurs, la malice des temps, comme le dit le pacte fédéral de 1291, que je vous lirai tout à l'heure, nous empêche malheureusement de célébrer le 1er août rassemblés en un même lieu. J'ai toutefois le plaisir de vous adresser quelques mots à distance. Paradoxalement, aujourd'hui, garder ses distances revient à faire preuve de solidarité. Cette valeur fondamentale, nous la retrouvons aussi au cœur du pacte de 1291, qui nous incite à prendre soin des autres, s'assister, s'aider, se rendre service pour mieux vivre ensemble. La solidarité est en effet nécessaire comme trame de fond à la société pour que chacune et chacun puisse vivre avec dignité. Les moments difficiles lors de la crise du Covid-19 ont encore démontré cette importance. Les élans de solidarité qui ont fleuri sont remarquables et doivent être cultivés. Nous en aurons en effet besoin à l'avenir, car les impacts de la crise se feront sentir encore longtemps. La solidarité n'exprime pas que des liens entre les personnes, mais elle dit aussi l'interdépendance à ce qui nous entoure, à notre environnement. Notre planète, à qui nous devons notre survie, souffre de nos modes de production et de consommation. Des jeunes et des moins jeunes s'activent pour dire leur inquiétude pour l'avenir et l'urgence à agir. Chères Veuvezanes, chers Veuvezans, nous avons la chance de vivre dans un pays, dans une ville où, ensemble, il est possible d'envisager notre futur en termes de durabilité, d'égalité, de qualité de vie et de préservation de l'environnement. Saisissons cette chance. Je vous souhaite maintenant à toutes et à tous un bon 1er août. Et je vous lis le pacte fédéral de 1291, considéré comme le plus ancien texte constitutionnel suisse et comme le pacte fondateur de notre pays. Pacte fédéral de 1291. Au nom du Seigneur, amen. C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les conventions ayant pour objet la sécurité et la paix. Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour mieux défendre et maintenir dans leur intégrité leurs personnes et leurs biens, les hommes de la vallée d'Uri, la communauté de Schwitz et celle des hommes de la vallée inférieure d'Unterwald se sont engagés, en toute bonne foi, de leurs personnes et de leurs biens, à s'assister mutuellement, s'aider, se conseiller, se rendre service de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts dans leur vallée et au dehors, contre quiconque, nourrissant de mauvaises intentions à l'égard de leur personne ou de leurs biens, commettrait envers eux ou l'un quelconque d'entre eux un acte de violence, une vexation ou une injustice. Chacune des communautés a promis à l'autre d'accourir à son aide en toute occasion, ainsi que de s'opposer aux attaques de gens malveillants et de tirer vengeance de leurs méfaits, prêtant effectivement serment et confirmant par les présentes l'acte d'alliance autrefois juré, cela sous réserve de l'obéissance et des prestations que chacun doit à son Seigneur selon sa condition. Après délibération en commun et en accord unanime, nous avons promis, statuté et décidé de n'accueillir et de n'accepter en aucune façon dans lesdites vallées un juge qui aurait acheté sa charge à prix d'argent ou par quelque autre moyen ou qui ne serait pas habitant de nos vallées ou membre de nos communautés. Si une dissension surgit entre les quelques-uns des confédérés, ceux dont le conseil a le plus de poids doivent intervenir pour apaiser le différend, selon le mode qui leur paraîtra efficace. Et les autres confédérés devront se tourner contre la partie qui rejetterait leur sentence. D'autre part, chacun doit obéissance à son juge et au cas où quelqu'un refuserait de se soumettre au jugement rendu et où l'un des confédérés subirait quelques dommages du fait de cette résistance, tous les confédérés seraient tenus de le contraindre à donner satisfaction. Surgisse une guerre ou un conflit entre quelques-uns des confédérés, si l'une des parties se refuse à accepter pleinement le jugement ou l'arrangement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie. Les décisions ci-dessus, consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, devront, si Dieu le permet, durer à perpétuité. En témoignage de quoi le présent acte dressé à la requête des prénommés a été validé par la position des sceaux des trois susdites communautés et vallées. Fait en l'an du Seigneur 1291, au début du mois d'août.
Permettez-moi encore, mesdames, messieurs, chères Vevezanes, chers Vevezans, de vous souhaiter un excellent 1er août. Madame la présidente du conseil communal, chères Vevezanes, chers Vevezans, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que je vous apporte aujourd'hui les salutations de la municipalité de Vevey en cette journée du 1er août 2020, jour de fête nationale. Mais cette année, dû au Covid, nous n'aurons pas la possibilité d'échanger, de partager, comme d'habitude, ce moment de convivialité. C'est via une capsule vidéo que les autorités vous adressent leur message. Le pacte de 1291 répondait en ces temps à des enjeux de nature essentiellement politique et militaire. Il formalisait un engagement réciproque d'entraide et de solidarité entre confédérés. Dans une époque marquée de multiples incertitudes, il offrait à chacun une relative sécurité et la garantie d'un appui en cas d'attaque extérieure. Chaque année, le 1er août est l'occasion de renouveler ces engagements réciproques. Il permet aussi de les adapter à la situation particulière et de réfléchir à la meilleure manière de s'entraider en s'apportant un secours mutuel. Notre société vit actuellement plusieurs crises. D'abord, la crise sanitaire du Covid-19. Elle est probablement, espérons-le, ponctuelle. Mais elle est d'une très grande amplitude et elle induit une crise économique et sociale profonde à l'échelle d'une planète entière. De nombreux employés et de nombreux indépendants vivent clairement dans la peur du lendemain et ne savent pas si leur emploi existera encore en 2021. Pour toutes ces personnes, le pacte social et économique doit être renouvelé. De même, nous vivons actuellement une crise climatique et environnementale dont les effets sont de plus en plus visibles. Pas un jour ne passe sans une nouvelle alarmante en matière de biodiversité, de canicules, de feux de tourbe, de records de température. En un mot, les limites de notre modèle économique de croissance basé sur une consommation devenue irresponsable apparaissent de plus en plus au grand jour. À l'évidence, le pacte avec la nature a lui aussi été rompu et doit de toute urgence être renouvelé. Ce sont là les pactes d'aujourd'hui. Ce sont là les engagements dont nous devons aujourd'hui débattre. Une nation se définit sans nul doute avec les éléments de nature politico-militaire au sens du pacte de 1291, mais une nation se définit aussi dans sa capacité à aborder avec clairvoyance et courage les enjeux contemporains, même et probablement surtout les plus délicats. Et ceux-là sont aujourd'hui sans nul doute de nature bien plus globale que ceux de 1291. Ce jour de fête nationale est ainsi le moment de se poser la question de savoir si nous serons capables, comme l'ont été nos prédécesseurs, de proposer de nouveaux pactes. Une fête nationale doit ainsi en même temps s'ancrer dans son histoire et appréhender les enjeux contemporains pour esquisser le futur. La réflexion doit être personnelle et collective. Il ne faut pas se le cacher, cette réflexion devient urgente. Les derniers mois ont montré que nous disposons d'une capacité de changement et de réaction élevée. Cette journée de fête nationale peut être l'occasion d'oser imaginer une réaction forte où nous abordons avec la même détermination les enjeux du court et du moyen terme. Les décisions prises en urgence dans le cadre du Covid-19, et là je parle non seulement des décisions fédérales de nature financière, mais aussi des décisions prises à l'échelle locale, ayant souvent trait avec l'espace public, le rôle de la mobilité douce, l'aide souvent bénévole aux personnes vulnérables, le lien nouveau créé avec les agriculteurs locaux, ont montré, en tous les cas, une chose bien évidente. Nous sommes capables de changer très rapidement dès lors qu'un consensus fait jour. Cette capacité de changement et d'action déterminée est un enseignement à valoriser. Il montre une valeur méconnue de notre pays, plus connu pour des processus longs, mûrement réfléchis et sous-pesés. Je fais ainsi le vœu que cette capacité nouvelle de changement se traduise en une réelle envie d'envisager, sans tabou, un nouveau pacte national, construit en regard des enjeux d'aujourd'hui. Il est temps maintenant de vous souhaiter à vous toutes et tous et à vos familles une belle fête, eine fröhliches Fest, una bella fiesta,
una bella festa. Bon 1er août.